Une tête qui se vide aux accents d'une chanson. Et personne de sensé pour me donner le temps. Mais le crétin est prudent. Deux gosses dans un jardin. Mais le crétin, où elle est maman? J'en sais rien. Il n'y a qu'à moi qu'on ose offrir des fleurs achetées pour une autre. Une défunte qui plus est. J'accepte les fleurettes. Après tous ces dimanches, mes neveux attendent. Il en faut un papa. Une atmosphère en ébullition. À peu près. 10 ans. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin, au fond du panier des tristesses. Il faut manger, dit-on, un sac de charbon pour aller au paradis. Ici, on s'entend parler. On s'entend exister. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En glissant comme des lépidoptères. De simples papillons. En attendant. Autres amis de l'ici-bas. Face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi, qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, un comédien qui fait du rêve avec du vent. Vous? Hein? Je prends la liberté, moi, de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Battre le ressac et m'interdire de croire en toutes sortes de désespoirs. Et de retour à Brest, nous les reconstruirons. Les murs, les enfants, les voisins, nos fenêtres, ils seront plus que vivants. Je me rappelle tout ce qui flotte dans l'entre-nous et j'y vois éclatant se lever en même temps les souvenirs du temps. Je ne sais pas qui vous a laissé entrer, mais dans tous les cas, c'était une erreur. Alors que le jour récidivait grossièrement, la porte s'ouvrit en silence. Une silhouette drapée de blanc réveilla la jeune fille et lui proposa de rentrer. En 1800...
Espérer, envier, jalouser, aimer, partager, accepter, oublier. Et parfois, simplement parce qu'ils se souviennent enfin qui ils étaient pour de vrai, exister. J'aurais voulu écrire à chacun d'entre vous. Prendre le temps de dire. De vous chercher des poux. De vous laisser un mot qui ferait prétention et qui jouerait le rôle de tristes ambitions. De tous ceux qu'on relit en notant si l'auteur converse avec un cœur ou la lignée d'acteurs. S'il me manque l'amour, je peux dire je ne suis rien. D'étoiles, respirant son théâtre rempli de morts vivants.
Pour la première fois, elle se dit qu'elle peut lâcher un peu de vérité au fils qui veut rester. Et qu'elle appelle Jean Damien. Elle se penche une dernière fois pour lui avouer au creux de son épaule. Je suis descendu des étoiles.